Ravi de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de votre magazine Info Initiative qui voit autrement la RDC pour vous informer. Et bonsoir, mesdames et messieurs. Le barreau congolais célèbre ses 50 ans d'existence, une circonstance heureuse qui a permis à l'Ordre national des avocats de réfléchir autour du thème « La profession d'avocat et l'état de droit ». C'était dans la salle du congrès du Palais du Peuple du 5 au 11 juillet de l'année en cours. Suivez. La salle de congrès du Palais du Peuple était à l'honneur d'accueillir les avocats du barreau congolais à l'occasion du cinquantenaire de son existence. Une activité organisée par l'Ordre national des avocats de la RDC du 5 au 11 juillet dernier. La profession d'avocat et l'état de droit étaient au centre de ces assises. Le différents barreaux du pays étaient représentés et ceux du pays voisin invités pour célébrer ensemble avec la RDC. Une activité patronnée par le ministère des tutelles. Mon discours prononcé à Lubumbashi l'année dernière avait épinglé l'essentiel des critiques formulées contre l'ordre des avocats. Comme je l'avais souligné, l'avocat a toujours été un acteur très important dans l'administration de la justice et un catalyseur de l'équilibre social. À ce titre, l'avocat doit donc accomplir sa noble mission dans le strict respect de la loi et des règles déontologiques. La noblesse, le prestige, la compétence, la probité, la loyauté, la diligence sont des valeurs qui faisaient autrefois la fierté de l'avocat congolais qui bénéficiait de la confiance et de la considération quasi absolue de son client. Le patron de la justice congolaise a insisté sur le budget qui doit être voté par le législateur afin de mettre un fonds d'aide juridique pour un bon fonctionnement dans ces secteurs. Les efforts des barreaux resteront lettre morte si le dispositif proposé par le législateur dans la loi en chantier n'était pas financé dans le cadre d'un plan de financement budgétaire qui verra l'engagement de l'État augmenter progressivement tous les ans en coordination avec le ministère du Budget. Mettre en place ce fonds d'aide juridique est un résultat essentiel à atteindre, ainsi que l'augmentation annuelle du budget voté et attribué aux fournisseurs de la dite aide juridique. Quant au rôle de l'avocat, il paraît essentiel. Le rôle de l'avocat paraît essentiel quand on considère le fossé qui existe entre la réalité et la présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi, autrement dit, chacun est supposé la connaître. Les personnes vulnérables sont très souvent incapables de faire valoir leurs droits lorsque les enjeux politiques ou économiques sont importants. Vive le cinquantenaire du barreau de la RDC. 50 ans après la création du barreau congolais, les avocats sollicitent encore aux décideurs l'organisation des conférences, formations sur le renforcement des capacités en faveur du Toge noir pour les amener à faire mieux. Le barreau congolais dans son format actuel avait été créé par ordonnance présidentielle en date du 10 juillet 1968, que le barreau de la République congolaise et la République de moitié du Congo existent. Généralement, lorsque nous arrivons à la date anniversaire du barreau, la tradition veut que les différents barreaux de la République organisent des conférences, une série de travaux à caractère scientifique, pour la remise à niveau
et la formation permanente des avocats. Mais cette fois-ci, compte tenu de l'ampleur de l'événement, parce qu'il s'agit de 50 ans, nous avons fait venir des bâtonniers et des avocats d'Afrique et même de l'Europe et d'autres organisations professionnelles pour participer avec nous à cette activité et célébrer ensemble avec nous ces cinquantenaires. Le bilan est positif, mais c'est juste que, avec quelques aléas, il faut faire l'effort de concilier. C'est-à-dire que la vie de l'avocat se trouve en Afrique, avec la concurrence du monde, l'avocat avec l'état de droit, la liberté de la parole, la liberté de droit, ainsi que la vie même du client de l'avocat. Il se fait à ce que l'avocat congolais soit compétitif et soit en mesure de compétir avec ses confrères et ses collègues sur le plan international. Lui, le barreau congolais évolue, lui, les avocats du barreau congolais sont compétitifs. Et on demande encore aux honorés confrères qui gèrent le barreau national de voir comment est-ce qu'il faut plus se rendre le plus jeune ou le jeune avocat compétitif sur le plan international. Dans un autre angle, comme dans ses habitudes, le ministère de la Santé publique évalue la revue annuelle mi-parcours de PNLDES 2016-2022, activité tenue du 9 au 12 juillet au siège de Caritas Congo. Tous les ministères provinciaux ont pris part active à ces travaux. Le programme national de développement de la santé PNLDES, recadré pour l'échéance 2016-2020. C'est au cours des 4 journées de travaux intenses que la revue annuelle 2017 a été évaluée. Ouvert le 9 juillet, les échanges se sont déroulés sous forme d'ateliers. La revue annuelle a connu la participation de membres du cabinet de la santé publique, du secrétaire général, de l'inspection générale de la santé, le cadre des directions, programmes et services centraux, les ministres provinciaux et les experts en la matière. Les échanges ont tablé sur le suivi des recommandations de la revue annuelle 2016 et l'analyse de performance du secteur de la santé. Au terme de cette revue 2017, les recommandations de la revue 2016 non mises en œuvre ont été reconduites, voire reformulées. Le patron de la santé, Oli Ilunga, reconnaît des avancées significatives pour cette année et signale que ces avancées vont permettre au gouvernement congolais d'aller vers la couverture sanitaire universelle. Ce qui vient de se terminer, c'est la revue sectorielle du ministère de la Santé où nous avons rassemblé les ministres de la Santé, les chefs de division provinciale, les inspecteurs provinciaux, les cadres du ministère de la Santé pour ensemble d'abord analyser l'état du système de santé. Les résultats de la performance nous ont été donnés par l'Observatoire national de la santé et la cellule digitale du ministère de la Santé. Donc les résultats nous ont vraiment montré que dans la mise en œuvre du programme national de développement sanitaire, il y a des avancées effectives qui vraiment nous permettent d'aller vers la couverture sanitaire universelle. Je crois qu'on peut vraiment rassurer la population. Je crois que lorsque vous parlez des événements qui soient survenus, même la qualité de la réponse que le ministère a été en mesure de donner par rapport à toutes les épidémies montre très bien qu'il y a un renforcement au niveau du ministère de la Santé dans notre capacité à augmenter la surveillance, à améliorer la détection et améliorer aussi la riposte contre les épidémies et autres fléaux. C'est durant 4 jours que s'est déroulée la revue annuelle 2017, soit du 9 au 12 juillet 2018, au centre d'accueil Caritas. Si les asbels naissent comme du champignon, elles sont à compter du bout du doigt. Celles qui s'y montrent actives, l'association Farafina créée pour pousser les œuvres en faveur de la santé à Assini, samedi 7 juillet dernier, le quartier Gramalik, dont la commune de Ngaliema, il fait beau vivre dans ce coin de Kinshasa. Regardez. Une première dans l'histoire, dans le quartier Gramalik, est née l'association sans but lucratif Farafina, qui donne l'objectif venir en aide aux plus démunis et améliorer leurs conditions de vie.
C'est la raison qui justifie la présence de ce Jean du quartier Gramalik le samedi 7 juillet dernier qui assainit ce coin de la commune de Ngaliema, abandonné à son triste sort. Tôt le matin, coupe-coupe en main, râteau, brosse et autres outils pour rendre la chaussée Laurent-Désiré Kabila saine. Ces jeunes responsables venus de la France, soucieux de la terre de leurs ancêtres, ils sont là pour apporter un plus sur l'hygiène environnementale. Une première activité qui fait parler d'elle. Parafina, c'est une association créée par les jeunes de la diaspora africaine et caribéenne de France. L'objectif principal de cette structure, c'est d'apporter des actions concrètes au niveau de l'Afrique, des actions qui visent à améliorer l'éducation et la santé. Et nous sommes l'association Farafina qui œuvre pour une meilleure condition de vie pour l'Afrique. Donc là, on a une première action qu'on a faite en Afrique, une action pour l'assainissement. La main dans la main, le jeune d'Ngaliema salue l'initiative à bras ouverts. Farafina a pensé à la population congolaise aujourd'hui, particulièrement d'Ngaliema, parce que là nous sommes sur la chaussée Laurent-Désiré Kabila, où les actions déjà de Farafina sont être en train d'être exécutées. Donc comme vous voyez, les jeunes sont en train de... Ils sont vraiment motivés. Hein. Aujourd'hui, nous sommes là justement pour le lancement. Mais l'organisation va continuer à pouvoir choisir encore d'autres endroits moins viables où il y a l'insalubrité. Donc notre rôle, c'est de pouvoir jouer ces rôles-là en tant que jeunes, de pouvoir assainir, pourquoi pas aussi l'environnement va avec la santé. Farafina dans sa jubecière, plusieurs projets y sont. Et puis voilà, Farafina est là pour donner des dons aux orphelinats. Vraiment, c'est une aide qui n'a pas vraiment un point précis. Une association qui fournit l'encadrement prometteux aux jeunes et ses activités entrent dans le cadre de la création d'emplois. En changeant de chapitre, après Kinshasa, la publication des examens d'État, édition 2018, s'est poursuit en province avec un taux de réussite de 69% contre 71%. L'année dernière, le ministère de l'EPSP et de l'ESU pense déjà à la réforme du système éducatif congolais. Noëlla Anakeka. Après l'annonce de la publication de résultats faite par le ministre de l'EPSP, c'est depuis le samedi 7 juillet 2018 que les finalistes de l'année scolaire 2017-2018 sont rentrés en possession de leurs résultats. Le taux de réussite a baissé de 71% à 69% par rapport à l'année passée à Kinshasa. Le plus haut pourcentage est de 90% option commerciale informatique. Situation alarmante qui a secoué le siège de Gaston Moussemina, qui propose selon lui de faire passer l'école primaire de 6 à 8 ans sur toute l'étendue de la RDC dès l'année scolaire 2018-2019. Ce changement s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'enseignement visant à améliorer l'enseignement de base. Il n'y aura donc plus de premier et deuxième secondaire, on parlera désormais de 7e et 8e. Ce n'est pas que de la dénomination qui change, il y a aussi la charge horaire. Tout cela sera formalisé dans un document qui sera publié. De l'autre côté, Steve Mbikaï, ministre de l'ESU, propose la suppression de l'épreuve de l'examen d'État. Il évoque notamment comme cause la baisse sensible du niveau des élèves qui viennent du secondaire pour l'université. Il propose par exemple que chaque école puisse avoir son diplôme d'État du cycle secondaire après un test de qualité. Il s'y est de noter qu'en plus de la qualité de l'enseignement, le système éducatif congolais critiqué, notamment par son infrastructure insuffisante, la modicité du salaire de l'enseignement et son attractivité. Dans le même ordre d'idées, officiellement, les élèves sont déjà en vacances, période de repos, certes, mais qui demande aux parents de réfléchir sur les activités de vacances pour les enfants. Nombreux tournent déjà leur ménage à ces sujets. C'est déjà les vacances. Les écoliers de la RDC, les Quinois en particulier, bénéficient d'un congé de 2 mois au maximum. Question de se détendre. Mais comment se relaxer avec l'occupation de terrain pour le fertilité? Pendant cette période de repos, les enfants doivent jouer, visiter certains sites de la place,
des sorties en famille. Hélas, la ville de Kinshasa n'ouvre pas aux vacanciers le cadre propice. Heureusement pour le particulier, s'y exerce. Entre autres, l'espace Kidiland. Ici, tous les jeux y sont à un coût au trop réduit. Les enfants peuvent jouer aux jeux électroniques, le train, cheval, ainsi que le jouet manuel qui font la joie de jeunes gens. J'ai joué, c'était bien vraiment. Ici, c'est la joie des enfants. Il y a beaucoup de jeux ici. On est en vacances, ils amènent leurs enfants ici. Parce qu'ils ont aussi beaucoup étudié, il faut aussi qu'ils se détendent. Qu'est-ce qui justifie alors les manques de notions des colonies des vacances chez le parent quinois? Ce n'est pas vraiment la faute des parents. Faute de moyens, moyens financiers, moyens de transport. Pour distraire les enfants comme ça, il faut les déplacer. Parce que beaucoup de sites se trouvent en dehors de Kinshasa, vers Kinkole. Là, il y a beaucoup de sites. Bon, ici, en tout cas, c'est difficile. Tout le monde, tous les parents n'ont pas de véhicule. Tous les parents n'ont pas assez de moyens. Même, je ne dirais pas que moi, j'ai beaucoup de moyens parce que j'ai amené les enfants ici. Hein, c'est parce que c'est un sacrifice. J'ai décidé, j'ai dit, mes petits-enfants sont venus chez moi en vacances. Au lieu de les garder à la maison, je les sors un peu pour qu'ils aillent un peu jouer dans un parc de jeux pour enfants. L'espace foire internationale de Kinshasa est créé pour ceux qui l'ont connu comme un poumon de divertissement. Quand je regarde cet espace qu'on appelle foire internationale, je vois seulement des bâtiments délabrés. Je ne vois rien de spécial. La foire internationale, la première foire internationale de Kinshasa, c'était en 69. Je pense que vous n'étiez même pas encore né. C'est ça la foire. Il y avait tout pour enfants, tout, tout. Même les grands pouvaient aussi se distraire comme les petits enfants. Mais aujourd'hui, on appelle foire, mais c'est foire des noms. Il n'y a rien. Je ne sais pas si l'État peut réhabiliter cet espace ici pour la distraction des enfants et des grandes personnes aussi, pour se détendre. L'espace Kidiland est disponible 7 jours sur 7 pour accueillir vos enfants. Pour divertir et égayer vos enfants, voici le site Kidiland situé à l'entrée première porte de la Fikine. Là, tout y est et à moindre frais, comme indique la gérante du lieu au micro d'Info Initiative. Awa toza la espace qui dit là na katia fiki toza l'espace ya bajé a bana titre la ngo eza qui dit là ah toza la bajé toza la rana le boy kokota mo la site eza la 2500 prix moko vraiment eza valable na bato ba sala ka na ba o ba sala ka te na 2500 mo la osaka la bajé manuel nyonso ti a kolemba toza pe la bajé électronique. La bâche électronique, tu as la moto, tu as la train, la cheval. Train est à la 1500, cheval est à 2000 francs. Ba la balinga rango makasi. La période de vacances, la ben sika ba paraboya la bane belé po ba la ba umeli la classe 9 mois isa ibelé. Ba pemisa mutu la bango ba ku se distraire la bajé. Boya la bane belé la fikine na espace qui dit là tozo ze la ba na baya ba ya ku sala bajé po la ku se distraire. Tardons à l'éducation, pensez à la formation de qualité pour vos enfants. Au cours de l'année scolaire 2018-2019, inscrivez vos enfants au complexe scolaire Amadia, situé au numéro 22 de l'avenue Louvois à Barobo. Très chers parents, titillers, vous qui avez les soucis de vos enfants, vous qui pensez à un avenir meilleur pour vos progénitures, les complexes scolaires Amadia vous invitent à présent à passer dans ce bureau pour l'inscription qui est d'ailleurs gratuite, comme l'expliquent les directeurs de cet établissement d'enseignement scolaire. Nous lançons un appel à tous les parents qu'ils continuent à nous faire confiance. La façon dont nous avons œuvré cette année, l'année scolaire 2017-2018, donc nous allons mettre encore beaucoup d'innovations, beaucoup de choses que nous comptons réaliser pour le progrès de cette école, donc un enseignement de qualité. Cette école que vous voyez a une bonne réputation.
Cette école a fait sortir des cadres qui sont répandus à travers le monde. L'avenir se prépare dès aujourd'hui. Si vous hésitez, suivez cet appel lancé pour l'année scolaire 2018-2019. Bonjour, sa confiance, Wana. Nambula Oyo Ekoya. Confesse scolaire Amadia. Sur l'avenue Louvre numéro 22, dans la commune de Barumbu. À Rekato, passant par l'avenue Kassai à Barumbu, vous êtes déjà au complexe scolaire Amadia. Complexe scolaire Amadia, amour pour tous, haine pour personne. Parlons santé à présent, ne perdez pas encore espoir. Le centre médical El Rafa, avec sa promotion sur la prise en charge de cas de maladie, est là pour vous administrer de soins de santé de qualité à moindre prix. El Rafa, c'est un nom qu'on a donné à notre institution sanitaire. C'est un nom qui tire ses origines des Saintes Écritures. El comme Elohim, Rafa comme guéri. Et en mettant les deux ensemble, c'est l'Éternel qui guérit. Pourquoi nous avons choisi ce nom? Nous nous sommes dit que nous les médecins, toutes couches confondues, spécialistes, hyper spécialistes, ou tout ce que vous aurez accordé comme qualification à ce médecin, il doit savoir qu'il est juste un soignant. Mais celui qui guérit, qui restitue les cellules, c'est Dieu. Voilà pourquoi, partant de notre devise qui est « Les médecins soignent et le docteur qui est Dieu guérit l'Éternel », voilà pourquoi nous avons dit que notre hôpital, notre institution sanitaire s'appellerait El Rafa, qui veut dire l'Éternel guérit. Vous savez que la vie est difficile, hein? L'argent ne court pas les rues. Donc nous nous sommes dit, nous devons aider tout le monde. Toute couche doit pouvoir accéder aux soins primaires avec les peu de moyens qu'il a. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, vous venez chez nous, les consultations, en commençant par la fiche, sûrement en passant par la fiche, jusqu'à arriver aux examens de laboratoire par rapport à la maladie qui vous tourmente, vous ne payez que 7 000 francs. Nous sommes en train de soutenir le gouvernement. Personne ne va dire le contraire. Nous soutenons même le président. Ça, c'est un des paliers des 5 chantiers, la santé. Vous voyez? Donc, même si quelqu'un, au lieu de faire l'automédication chez lui à la maison, il se demande, je vais à l'hôpital, je dois donner d'abord 10 $ pour la consultation, et après, je dois donner, c'est pas moi, 20 000 pour les amis de la boue. Mais tu viens chez nous. Les 7 000 suffisent. Et l'affiche, et les consultations, et les examens de la boue. C'est nulle part ailleurs, n'est-ce pas? Là où vous êtes, vous posez la question si c'est vrai. Mais venez vérifier. Et en dehors de ça, nous avons des machines. Vous avez eu le temps peut-être de voir ça. Des échographies sophistiquées, une radiographie de pointe. Vous avez vu ça peut-être, les images dans des émissions précédentes. Mais regardez bien. Peut-être ces machines, vous les trouverez nulle part d'autre. Mais chez nous, il y en a. Faisons ces examens à un prix trop bas. Vous venez pour la radio, pour, excusez-moi, l'échographie pelvienne, pour les mamans, les femmes enceintes, et vous payez que 16 000 francs. Ça, moi, je ne sais pas. 16 000 francs. Et en dehors de ça, la radiographie, vous avez une fracture au niveau des os, vous avez un problème au niveau du poumon, il faut qu'on fasse une radio, un problème des sinus au niveau de la tête, vous ne payez que 15 $, ce qui fait 24 000 si je ne me trompe pas. Ça, c'est Dieu qui fait à ce qu'on puisse faire des choses comme ça. Et en plus de ça, toutes les maladies de tous les jours, les interventions chirurgicales, myome, kyste, hernie, s'il faut que je détaille, les hernies et les appendicites, 80 $. 80, 8-0. Et avec nos médicaments, et même le séjour, y compris, Mykologosa en hôpital, c'est dedans. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour que tout le monde accède à la santé. Les myomes, les autres appellent fibromes, avec un 200 $. L'hystérectomie, ça veut dire une femme matrice, c'est ça, on préfère enlever ça. Vous avez un 300 $, on travaille dessus. Mes frères et sœurs, vous voyez que c'est pas... Vous avez le droit de nous soutenir. Les kystes d'ovaire, 150. Et tout ça, c'est avec nos médicaments. Et les séjours à l'hôpital, ça paraît un peu étrange, mais c'est vrai. La prostate, nous sommes à 500. Allez-y quelque part, montez un peu vers le haut, serrez dans les 2000. Mais quand vous descendez vers le bas, vous êtes dans les 500. Qui dit mieux? Et vous avez la qualité de soins, ça j'insiste. Il y a la qualité de soins, et venez nous fréquenter, vous ne serez pas déçus. Il y a tant de choses, il y a tant de choses, je ne sais pas te répéter, la dentisterie elle est là. Et en dehors de ça, nous avons une pédiatrie formidable. Nous venons de faire entrer les couveuses il n'y a pas longtemps, et l'oxygène aussi. On n'a pas besoin de transférer quelqu'un pour un problème d'oxygène. Il n'y a que quelque chose d'ici là qu'on va
On va finir avec le ministère de la Santé et autres, ces problèmes de banque de sang. D'ici là, on voit que nous sommes en train de travailler jour et nuit pour faire plaisir à la population quinoise et celle de Yolo en particulier. El Rafa, son adresse est facile. L'accessibilité est bonne. D'où que vous viendrez, si vous êtes sur Victoire, vous allez juste prendre votre taxi ou votre voiture. Vous prenez Kimwenza, Yolo. Vous descendez au niveau de l'arrêt Jamar. C'est sur Kimwenza. En face de vous, vous avez une avenue qui s'appelle avenue Ngoufou. Au numéro 7, vous trouvez un bâtiment avec un tissu sur lequel on a écrit tous les détails de la promotion. Vous arrivez là-bas, c'est Ngoufou numéro 7, centre médical El Rafa. Tout à fait autre chose, l'hypothétique de transport en commun se complique davantage ces temps-ci dans la ville-province de Kinshasa. Situation liée selon plusieurs langues au contrôle de taxibus appelés à être colorés en jaune, faute de quoi tout véhicule non en règle est placé sous fourrière de la police nationale de circulation routière. Kinshasa, mégapole de plus de 8 millions d'âmes travailleuses ou chômeuses, tous vivent depuis peu sous le calvaire de l'hypothétique transport en commun rendu de plus en plus difficile, des suites du contrôle des taxibus pour débusquer ceux non colorés en jaune. L'opération vise notamment les Toyota marque Yas, le Mercedes 207 communément appelé Esprit des Morts, situation à la base, des longues files d'attente dans les arrêts de bus et qui poussent plusieurs personnes à la marche à pied pour atteindre leur domicile, peu importe l'heure. Quand il y a un transport, passe d'abord premièrement, ça lit, et pas na biso moko ba conducteur. Deuxièmement, na kolo ba eza et pas ya yemoko l'État. Pourquoi na lobi bongopo l'État a pesa imibe konaye pour na biso ba transporteur to tcha couleur ya jaune. Et puis tout somba na fiche o ya numérotation. Bon, biso na ba catch to sala to sali ango. Sauf que na ba taxi bis ba 207 et puis na ba yasinde ba sali ango mais na moi retard. Yango sali que l'air la police a bandi ba contrôle na ye. Et au salaire, comme vient de l'expliquer ces taximens, le mécontentement gagne du terrain. Bon, et là, on nous souhaite salir que biso, bah taxi n'y a sur l'état au sein à tout ça là, tout au salaire en haut. Mais si qu'on a retourne à biso, fait l'été fois bon, c'est la biso ne banze là. Pour n'y a sur cinq yeux tiens couler, somme fiche au vignette au boy boy tout au salaire. Si on retourne, on va conduire trop bénéficier de l'autre côté. Pour mi tout cas, sur les bimines, c'est là, ok, on continue à l'iboulou, moutouka, et boucani l'otil, et tobogi piné, biso moto, c'est quoi charge. Si on moins que l'état de son abisoté, l'été faut son abiso va conduire pour tomber la paix, bilo, on abiso. Ainsi, ce SOS des chauffeurs visiblement inquiets. Tout le monde inquiet, la police et d'autres barrières, ils ont empêché, biso va tout ça en ordre, tout cycler normalement. Seules les autorités provinciales et policières détiennent la solution. 30 minutes suffit pour vous informer. Merci, mesdames et messieurs, de votre aimable attention. Je vous fixe le rendez-vous la semaine prochaine avec José Mouyaya à la présentation. Et merci à toute l'équipe rédactionnelle de Magazine Info Initiative qui vaut autrement la RDC, sans oublier mon pasteur, l'ange de l'église, Beth Shalom, et à ma coiffeuse, Sophonie Saintry. À la prochaine, Inch'Allah.